Nicolas Boffy, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur du développement d'Arcadis, une société qui publie régulièrement, une société internationale, qui publie régulièrement le International Construction Cost Index, un indice des coûts de la construction à l'échelle internationale. Avant d'entrer dans les principaux résultats, quelle est d'abord la méthodologie de calcul de votre index? Alors, déjà, merci de votre intérêt pour notre rapport. Nous sommes en effet une société internationale de conception et de conseil dans le domaine de la construction, de l'immobilier, des infrastructures, et donc une société internationale sur tous les continents avec 40 000 collaborateurs. Et donc cette vision globale du secteur de marché de la construction, on essaie de la développer à travers un certain nombre de rapports dans l'année sur, par exemple, les villes durables et ici, donc le International Cost Construction Index, qui est donc un index qui vise à mesurer les coûts de construction relatifs entre 100 grandes métropoles dans le monde où la plupart du temps Arcadis s'est implantée. Donc, c'est vraiment notre implantation mondiale qui nous permet aujourd'hui de développer ce type de rapport, de vision internationale des coûts de la construction. Alors, comment est-ce qu'il est développé? Comment est-ce qu'on a monté cet index? Eh bien, on s'est intéressé à une vingtaine d'actifs typiques de la construction dans la plupart des métropoles. Des actifs immobiliers de logements, de bureaux, des data centers, de la logistique, des bâtiments industriels également. Et donc, on a combiné une vingtaine de types d'actifs différents au travers de nos, y compris via le retour d'expérience de nos cost managers et économistes dans les différentes villes où nous sommes implantés. Donc, c'est à la fois une combinaison, si vous voulez, de mesures statistiques nationales. Donc de données publiques, mais combiné aussi à un retour d'expérience de nos consultants et de nos économistes et ingénieurs sur site. Et ensuite, on a classé ces 100 grandes métropoles en tenant compte aussi des effets de devises, des réglementations locales, etc. Donc, c'est vraiment un index qui est, j'ai envie de dire, où on va mettre en œuvre un certain nombre de coefficients pour tenir en compte aussi des réalités économiques locales. Voilà, donc, parce que tout n'est pas forcément comparable, y compris en termes de réglementation en Inde et en France, les effets de devises entre les États-Unis et l'Europe, etc. Donc, voilà, donc on tient compte de tout ça dans un index qui classe 100 métropoles et dans lequel on va retrouver, bien sûr, des villes françaises. D'accord. Alors maintenant, quels sont les principaux résultats à l'échelle internationale et quelle est la place des villes françaises dans cet index? Alors, un des enseignements principaux, c'est que les villes occidentales restent effectivement relativement chères, mais ça, c'est les effets combinés, ben, on l'a dit, des devises, aussi l'effet du dollar en ce moment. C'est le coût de la main-d'œuvre, bien sûr, qui a été renchéri aussi, y compris cette année en 2022. Notre index, il regarde ce qui s'est passé en 2022, hein, bien sûr. Il y a aussi eu un effort important aussi des entreprises pour réactualiser les salaires et aussi pour pouvoir fidéliser les salariés. Et à l'inflation, bien sûr. Exactement. On connaît tous aussi ce grand effet de la grande démission, hein, tout le monde a parlé un peu dans tous les pays européens, où pour finalement fidéliser les salariés, il a fallu aussi remonter les salaires nettement. Donc, il y a eu un renchérissement du coût de la main-d'œuvre et une pénurie, hein, qui se maintient, pénurie de la main-d'œuvre. Donc, tout ça pèse aussi dans les coûts de construction. Puis, bien sûr, 2022, c'est la guerre en Ukraine, c'est une disruption très forte de la chaîne d'approvisionnement, en particulier sur les produits sidérurgiques, hein, qui sont très importants dans notre métier, mais aussi dans les produits pétroliers. Donc, il y a eu en début d'année une très forte disruption. Et puis, sur la fin d'année, ben, vous l'avez constaté aussi, Bâti Actu, je crois, avait aussi pas mal publié d'articles sur le sujet. Il y a eu une forme de tassement qu'on continue d'observer maintenant. Les prix de l'énergie qui sont baissés Diminuer en tout cas. significativement.
Voilà, exactement. Et donc, dans certains domaines, mais alors c'est vraiment très variable d'un secteur à l'autre, on voit quand même que les produits l'acier, les produits sidérurgiques ou les produits pétroliers ont nettement baissé. Donc ça contribue à, non pas à baisser, mais à créer un effet de plateau qu'on observe depuis maintenant 3-4 mois dans les pays occidentaux. Les pays en développement sont évidemment en fin de classement, mais ils sont difficilement comparables. D'abord, les normes techniques et de sécurité, d'hygiène et sécurité, ne sont pas du tout les mêmes. Évidemment, les effets de devise sont très différents. Donc, on peut difficilement comparer aussi la situation avec des pays en voie de développement. Néanmoins, le grand enseignement, et pour répondre à votre question, c'est que Paris, notamment, et d'autres villes françaises qui sont étudiées dans ce classement, comme Lyon ou Nice, par exemple, sont en milieu de classement. Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les effets de l'inflation ont été plutôt maîtrisés en comparaison des autres villes qui sont en tête de classement, notamment les villes du nord de l'Europe, les villes de l'Europe de l'Est. Et puis Genève, qui est bien sûr en haut de classement, mais qui est en fait un petit peu aussi une exception. La Suisse a toujours été un peu une exception aussi en Europe en termes de, voilà, de géopolitique, de fonctionnement économique, etc. Voilà. Donc finalement, on a une position qui est plutôt intéressante du point de vue de la maîtrise de l'inflation et des coûts, même si, évidemment, si vous demandez aux acteurs français aujourd'hui, comment ça va et comment ça se passe, tout le monde va vous expliquer que, il y a une inflation considérable, que les coûts de construction, sont très élevés, que les bilans, sont tous, disruptés, en particulier pour les promoteurs, notamment dans des secteurs de marché comme le logement qui en souffrent beaucoup. Mais en réalité, si on compare avec d'autres métropoles, la situation en France, et elle est plutôt bien maîtrisée. D'accord. C'est d'ailleurs un point très positif de cet index. Quels sont les points de vigilance, du coup, de par votre position de conseil et d'audit et finalement de surveillance globale de ces marchés? Quels sont les points de vigilance à retenir pour les mois à venir, pour tout 2023? Alors, on est dans une situation encore attentiste. Hein. On n'est pas à l'abri d'un énième coup de théâtre géopolitique comme on a pu l'avoir en 2022. On est aussi dans une situation très différente de la crise financière de 2008. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est développé dans notre index. On n'est pas du tout dans une situation équivalente, c'est-à-dire que en 2008, beaucoup d'acteurs, notamment d'investisseurs, avaient attendu simplement que la situation se retourne, qu'on ait un contre-cycle. Aujourd'hui, il y a deux éléments qui sont très différents. C'est l'essor de la finance verte et aussi de l'impact de la durabilité dans la construction et aussi dans la valeur des actifs. Et l'autre dimension, particulièrement pour les bureaux, c'est ben, tous les effets post-Covid de changement sur ce qu'on appelle en anglais le workplace, mais c'est-à-dire le futur des bureaux, la modification des De travails, travail de manière le générale. travail, le fait que la plupart de dans l'immobilier d'entreprise, on assiste à une baisse significative des besoins qui s'expriment différemment. Et donc tout ça veut dire que les investisseurs internationaux, qui sont d'ailleurs la cible principale de notre index, hein, puisque les investisseurs internationaux, leur terrain de jeu, c'est de pouvoir investir dans tous les pays du monde, donc de comprendre quelle est la dynamique économique dans chaque pays. C'est bien le cœur de notre index. Ces investisseurs, on leur conseille de ne pas attendre, c'est-à-dire d'être dans une situation très différente de celle de 2008. Si vous avez des actifs qui sont, du point de vue de la durabilité, qui ne sont pas au maximum, vous avez un risque de dépréciation rapide de ces actifs si vous attendez pour investir.
C'est un peu contre-intuitif par rapport aussi à la situation des taux d'intérêt très, très élevés, par rapport aussi voilà, à la discours ambiant qu'on a pu entendre un peu partout, notamment au MIPIM cette année et à d'autres grands événements internationaux de l'immobilier. Mais c'est notre conseil, c'est de ne pas attendre d'investir pour monter en gamme, donc soit d'arbitrer. Voilà, soit d'investir massivement pour monter en gamme au niveau des Et actifs de réhabiliter. durabilité, donc de rénover les actifs pour maintenir leur compétitivité dans un monde immobilier où tout a changé par rapport à la situation qu'on avait connue il y a maintenant une quinzaine d'années. Voilà. D'accord. Bah écoutez, c'est un très très bon mot de la fin. Je vous remercie Nicolas Boffi pour votre témoignage. Merci à vous.